Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On n'est pas dans le jardin aujourd'hui, comme tu peux le voir. Je suis plutôt dans mon bureau. Et pas dans mon bureau, mais sur mon bureau, parce que dedans, c'est toujours difficile. Mais plutôt à l'intérieur, on va dire. Hein. On est plutôt à l'intérieur. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il y a un petit concours qui va se faire. Mais il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça se passera, je vous explique tout en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais venir vous parler, si je ne sais pas si vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre. J'ai quelque chose à vous dire, quelques petites précisions à vous donner pour le futur immédiat et le futur plus lointain de la chaîne. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, vous qui me suivez. Car premier objectif atteint, 100 abonnés, voilà, on y est arrivé le week-end passé. Je vous remercie, grâce à vous bien sûr on y est arrivé. Merci aux youtubeurs qui m'ont donné un petit coup de pouce, hein. Je ne veux pas les nommer, mais enfin bon, ils se reconnaîtront assez facilement. Voilà, donc c'est le seul remerciement que vous pouvez nous faire, c'est de vous abonner et de visionner nos vidéos. Voilà, si vous savez les partager, les commenter, c'est vraiment le bonus, c'est vraiment le Graal pour nous. C'est la façon de nous remercier, c'est comme ça que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas, bien sûr, quand on vous demande de partager, quand on vous demande de vous abonner, quand on vous demande, bien sûr, de commenter, eh bien, c'est pour mieux nous référencer. Et en plus, ça nous fait hyper plaisir, quoi, de savoir qu'on peut dialoguer ensemble alors que vous êtes peut-être à 1000 km de moi et on peut dialoguer sur une passion qui nous est commune, quoi. Donc c'est génial, allez-y, n'hésitez pas, on adore ça, enfin moi j'adore ça. Et de toute façon, posez vos questions plus bêtes que moi en jardinage, il n'y a pas, donc allez-y. Si vous avez des questions même que vous pensez peut-être bêtes, il n'y a pas de bêtes questions, allez-y, posez-la. Si je sais les répondre, j'y répondrai. Et de toute façon, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de gens qui s'y connaissent dans le jardinage, qui viendront vous donner un coup de main. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Alors, prochainement, sur la chaîne, nous aurons quelques vidéos aussi que je vais devoir faire. Non pas sur le jardinage de chez moi, mais je vais vous parler des autres chaînes. Des autres chaînes, entre autres, ça fera le terme d'une vidéo. Je vais vous parler aussi de mes soucis que j'ai eu dans le jardin. Je vais faire un petit top de ratés, un petit top des réussites, un petit top des chaînes en fait à découvrir dans le jardinage. Et voilà, ce sera la vidéo que je vais faire pour le courant du mois de décembre. Donc un peu pour pouvoir vous donner du contenu puisque le jardin est un peu à l'arrêt, on va dire. Donc je vais vous faire des vidéos là-dessus. Ça sera les prochaines vidéos. Ensuite, je vais vous promettre justement en parlant des vidéos que je vais vous faire, je vous promets d'essayer de vous faire une vidéo par semaine. Le mardi 18h, ce sera l'heure et le rendez-vous que je vous donne. Et si j'ai moyen de faire plus, j'en ferai une des autres, bien sûr, un peu plus souvent. Il n'y a pas de souci. Si j'ai des questions à vous poser ou si j'ai des choses à vous apprendre, eh bien, j'essaierai de les poster. Publicité, n'hésitez pas, bien sûr, à boire votre petite tasse de café. Alors, prochain point, quatrième point que j'aimerais bien parler avec vous. Il faut que je vous raconte un petit peu ma vie. Alors, ça va pas être très long, hein. C'est juste, voilà, pour le moment, vous savez bien que je vous fais des vidéos. Et dans les vidéos que j'aimerais bien vous faire, j'aimerais bien vous faire aussi du test de matériel. Pour moi, pouvoir faire du test de matériel, il faut que il faut que le matériel vienne à moi. Il faut que j'achète du matériel. Ce qui n'est pas possible pour moi pour l'instant vis-à-vis de ma situation financière. Il est impossible pour moi de pouvoir acheter du nouveau matériel et pouvoir vous le présenter. Donc, pour pouvoir vous faire des présentations assez régulièrement, à du test du matériel assez régulièrement, je dois recourir à du partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est du partenariat si vous ne savez pas ce que c'est? En fait, soit quand vous avez une chaîne YouTube, soit vous avez des marques qui viennent vous trouver. Mais ça, c'est pour les plus gros YouTubeurs. Ou vous faites la démarche inverse, vous allez trouver des marques parce qu'il y a des choses qui seraient intéressantes pour vous de présenter. Ce qui est mon cas. J'ai pris un site qui commence par A. Voilà, un gros site de vente. Et j'ai trouvé une marque. Comme ça, j'étais voir un peu leurs articles.
Et je trouvais qu'ils avaient du matériel assez sympa. Donc je me dis, tiens, est-ce que je les contacterai pas pour avoir du matériel, voir si ça fonctionne. De toute façon, au pire, qu'est-ce que je vais recevoir? Un non. Et au mieux, un oui. Et j'ai reçu un oui. Et donc, j'ai reçu du matériel que je vais pouvoir vous présenter et tester avec vous. Voilà, cette démarche est dans le cadre de pouvoir vous présenter du matériel et pouvoir m'équiper aussi, puisque je n'ai pas les moyens aussi de m'équiper avec ce système. Ça me permet de m'équiper et de vous faire profiter, bien sûr, du matériel, du test de matériel. Et aussi, peut-être, par la suite, il y aura peut-être des concours avec du matériel à remporter. Je pourrais, si j'ai des doublons dans le matériel ou si la marque me contacte pour faire des concours, tout ça sera possible. Je testerai bien sûr ce matériel avec mes petites connaissances. Je vous donnerai les détails bien sûr de tout ça. Et pour vous faire patienter, écoutez, je vais vous montrer une petite vidéo que je vais réaliser maintenant. Et je vais vous montrer les objets que j'ai réussi à avoir et que je vous présenterai très bientôt. Alors, je vous laisse avec la petite vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve en gros plan. Alors, vous aurez deux plans. Hein. Vous aurez ce plan ici et vous aurez ce plan là. Alors, on essaie d'être le plus professionnel possible, même si on n'a pas le matériel pour. Hein. On a des petits caméscopes, hein, comme monsieur tout le monde, mais on essaie de se débrouiller pour essayer de vous offrir les choses les plus professionnelles. Bon. Il n'y a que l'animateur qu'on ne sait pas changer. Tout le reste, on sait changer. L'animateur, on ne le sait pas. Alors, j'ouvre comme vous. Hein. C'est la première fois, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ouvre. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. J'ai juste reçu un email. Voilà. J'ai reçu ceci. Je vous montre en gros plan. Donc, une petite carte pour me dire merci. Alors, ici, la petite facture qui va bien. Ça, vous en avez rien à battre. Ensuite, du papier. Du papier. Du papier. Du papier. Du papier. Encore du papier. Alors, on va démuter par ceci. Ah ah. Sur la caméra du haut et la caméra du bas, voilà. Voilà, c'est une, bien sûr un coupe-branche. Mais je ne vais rien donner comme caractéristique, puisque tout ça fera l'objet d'une vidéo sur le terrain. Donc voilà, premier objet. Deuxième objet, c'est ceci. Voilà, ça c'est plutôt une cisaille, hein, pour une coupe et on va dire, voilà, qu'on va tester bien sûr aussi lors d'une prochaine vidéo. Troisième objet, eh bien c'est un objet qui va ressembler au premier objet, mais d'un autre calibre, coupe branche, voilà, ça fera objet bien sûr de vidéo. Et le dernier objet. Taram, taram, taram. C'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite scie à main. Puisque j'ai décidé aussi prochainement de faire du bricolage pour le jardin et pour les poules, entre autres aussi. Donc j'aurai besoin d'une scie. Voilà. C'était le déballage. Donc le reste. C'est du papier, encore du papier, encore du papier et encore du papier. Ah, voilà, vous êtes revenu. Ok, vous avez pu le voir. Donc, je remercie déjà la marque GreenTech qui, bien sûr, m'a fait confiance et donc qui m'a proposé, enfin, que j'ai contacté, qui m'a proposé ces quatre produits, entre autres, à choisir. J'avais une liste à choisir. J'ai choisi moi-même ces quatre produits. Et donc, voilà, je vais vous présenter ça, bien sûr, courant du mois de décembre et du mois de janvier. Ça fera l'objet de 4 vidéos, donc 4 objets, 4 vidéos. Alors pour le dernier point que j'aimerais bien vous parler,
Il s'agit de vous parler du concours. Il y aura un petit concours sur la chaîne courant du mois de décembre. Il va débuter plus ou moins vers le 1er décembre et se terminer plus ou moins autour du 20 décembre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir remporter pour ce concours ? On va pouvoir remporter deux vidéos, album photo, comme je pourrais appeler ça. Une petite vidéo vaut mieux qu'une grande explication. Donc je vais vous mettre une petite vidéo avec exemple. Je l'ai rencontré, je l'ai contacté et je lui ai demandé des renseignements pour pouvoir faire des logos. C'est lui qui m'a fait, entre autres, mon logo. Il s'occupe de faire des logos, des bannières sur YouTube. En plus de son travail. Donc voilà, lui, il est graphiste en plus. Et donc voilà, et il fait des petites vidéos. Et donc moi, je vous propose de gagner deux vidéos où on va pouvoir insérer vos photos dedans. Et ça va vous faire un petit souvenir que vous garderez, entre guillemets, et que vous pourrez mettre sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, là où vous voulez. Il sera personnalisé et il sera à vous. Voilà, tout simplement. Donc deux vidéos comme ça, donc il y aura deux gagnants, plus un troisième gagnant, mais là qui se rapproche plus au professionnel qui est professionnel, entre autres, de YouTubeurs et des gens qui possèdent par exemple des sites ou des choses comme ça, ou des blogs, et qui désirent... se faire un logo ou un petit intro, une petite bannière, enfin voilà, quelque chose dans le domaine qu'il aimerait bien faire parce que c'est pas notre métier ou c'est pas leur métier et que c'est pas si facile à faire. Et donc lui me propose de vous offrir cela, donc une bannière ou un logo pour un professionnel, que ce soit de YouTube, que vous avez un site ou un blog, voilà. Donc ça, ce sera à part, et l'autre, les deux autres, ça ouvrira tout le monde, où vous pourrez bien sûr gagner un album vidéo. On va appeler ça un album vidéo. Pour revenir deux petites secondes sur le sujet de ma dernière vidéo, qui était sur Je vous montre tout, j'ai eu un premier commentaire qui m'a fait peur d'ailleurs, qui m'a demandé comme ça, mais qu'est-ce que tu fais, du style, ta vidéo sont bizarres, enfin voilà. Et en fait, cette personne apparemment n'a pas regardé la vidéo, puisque dans la vidéo il se passe absolument rien. La miniature était juste là pour attirer un petit peu, pour se dire tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va nous montrer. Ça, voilà, c'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma chaîne justement, et je voulais que ce soit attirant, tout simplement pour faire des vues, parce qu'on est juste là pour se montrer, hein. On aime ça, hein. Vous savez, quand on fait une vidéo, on veut être vu, c'est la seule motivation qu'on a, nous, c'est de se faire voir. Et donc voilà, une des seules possibilités de se faire voir, eh bien, c'est par les miniatures, par les titres, par les choses. Donc, je ne mens pas, je montre, je vous ai tout montré, ma première fois, sur la voile de forçage. Voilà, c'est tout simplement ça, c'était juste pour faire un jeu de mots et faire un peu d'humour. Mon humour est belge, peut-être qu'il ne convient pas forcément à tout le monde, donc je ne sais pas, excusez-moi si je vous ai choqué, si la photo vous a choqué, mais il n'y avait rien de choquant, il y avait juste une dame en maillot de bain, et voilà, comme on voit la piscine, comme on voit la plage, et il n'y avait rien de plus. Et il y avait moi, bien sûr, sur cette photo, en vacances, hein, alors que j'étais dans la piscine, voilà, tout simplement. Rien de choquant non plus, je pense, voilà, si j'ai pu choquer quelqu'un, je m'en excuse, mais je continuerai à le faire parce que j'adore ça. Voilà les amis, allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, et je vous remercie de me suivre encore de plus en plus. Allez, objectif 1000 abonnés, ciao ciao.